Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex de la chaîne du coffre du Capitaine Angus. J'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un compte rendu vide grenier du 1er mai 2019. Donc hier quoi. pas mal de bonnes petites choses, voilà. J'ai fait un vide grenier à peu près à 20 bornes de chez moi. Vide grenier dans un village qui s'appelle Pouilly-les-Vignes. Il y avait à peu près environ 150 exposants. Donc pas mal. Puis bien rangé, un peu à la brise. Et des fois, bon, on a eu le beau temps. La chance, parce que pour ceux qui étaient dehors aussi, il y avait une partie dehors et une partie un peu sous un espèce de pas hangar, mais oui, à peu près de style. Donc voilà, c'est un bon petit vide-grenier. Et ben, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc on va commencer avec une petite peluche tortue ninja, voilà, pour se lancer un petit peu. Donc pas mal, celle-là c'est pour mon fils, voilà. Je sais pas ce que c'est comme cette tortue là. Je sais pas de quelle année elle est celle-là, j'en sais rien, peut-être dès 2005, un truc comme ça. Voilà, c'est Raf. Donc c'est sympa, je l'ai dû la payer 1€. Donc oui, le budget en fait, j'en ai eu pour à peu près 11€. En total, 11€ pour tout. Donc on va enchaîner avec un petit DVD. Ça c'est pour moi. Il me manquait dans la collection. Donc voilà. J'aime bien le Hunger Games, la Rival Partie 2. Voilà, hein. Je le cherchais, donc je l'ai enfin trouvé. Donc en plus, voilà, le DVD, pour mentir, il est en excellent état. Hein. Je ne sais pas si on le verra bien là, mais... Vous voyez que là quand même en excellent état pour un. Du coup elle me le vendait, la dame elle demandait 2€. Ah, des fois c'est des trucs qui sortent plus mal. Et du coup je l'ai négocié pour un. Voilà, parce que les DVD, ça aurait été un collector ou d'un film que voilà. Un peu plus recherché. Bon bah j'aurais mis le prix, mais là. Voilà, c'est un DVD qui est quand même sorti un petit moment. Donc 1€ c'est bien. Faut pas négocier plus, voilà, c'est juste bien. Faut pas trop. Après, qu'est-ce qu'on a? Ben, j'ai trouvé une petite majorette pour moi toujours. Alors, je vous l'avais présenté dans une vidéo. Je sais plus, des modèles réduits, je crois, hein, américaines. Et j'en avais une, mais elle était toute défoncée. C'était à mon fils. Et puis, du coup, moi, j'en cherchais une comme ça. Et je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, ben, pourquoi pas? En plus, avec les portes et tout. Alors, mon fils, non, ben, lui, il s'en fiche un peu, c'est pour jouer. Donc. Lui, de toute façon, je serais dû retrouver une. Hein. Vous savez comme je suis, moi, voilà. Voilà, avec les portes et puis tout, hein, on a les portes derrière. Je vais essayer de ouvrir comme ça va beaucoup mieux. Hein, avec l'intérieur, là. Moi, je sais pas si vous irez bien avec la lumière et tout. Voilà. Donc, c'est pas mal, cette petite voiture, ce petit camion GMC, là. Voilà, ça me fait penser un peu au GMC dans l'agence touriste Barracuda. Après, ben, on a trouvé... ça, c'est pour mon fils. Un petit mug. Alors, c'est les Avengers. Du coup, la miniature, j'ai dû la payer 50 centimes. C'était 20 centimes les petites et 50 centimes les gros modèles. Donc voilà, hein, c'était 7,50€ à la base, mais du coup, je sais pas si c'était 7,50€, je crois que j'en ai déjà eu un autre, je sais plus, vous le direz. Voilà, c'est ça, hein. Ça. Voilà, il y a toute la collection, du coup, c'est celui-là. Je vais vous le montrer comme ça, le sortir. Bon. Mode gentil désactivé, voilà. Je sais pas si après, quand on met du liquide dedans, mais je crois pas, hein. Ça change le nom, je crois pas. Hein, c'est un muscle classique, hein, Avengers. Ça coûtait quand même 7,50€ à l'époque. Hein. Du coup, je l'ai eu pour 1€. Hein. Ça mange pas de pain, comme on dit. Ça mange pas de pain, hein, on va le mettre tout ça. On va peut-être le foutre là. Pourquoi pas, hein? Ben, vous le voyez pas. On va le foutre là, comme ça on pourra foutre des figurines dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ensuite? Ah, elle est pas mal ça. Alors ça, j'étais super content de l'avoir trouvé. Un petit, deux petites figurines Snoopy. Donc c'est les mêmes. Là, c'est, ils jouent au golf. Enfin, ces figurines-là datent de, je sais pas si vous pouvez voir là. Moi, je crois pas. Le focus va pas se faire.
si je voulais un petit peu, là, je pense en biais, là, j'ai mis un peu de lumière pour vous voir un petit peu. Alors, c'est Hong Kong, une unité 1958 à 66, c'est une gamme, quoi. Donc, c'est des anciennes figurines, quand même, et je suis content du Snoopy, moi, j'adore ça, Snoopy, donc. Donc, voilà, on va le mettre. Tiens, on va le mettre là-haut. On va jouer au golf là-haut. Là. Hop. Sur le green. Et après, du coup, bah, j'ai trouvé celle-là aussi. Donc voilà. Hein. Pas mal. Donc, pas mal avec son petit ardoir. Là, il est déguisé en fermière. Avec son petit ardoir là. C'est pas faux. Snoopy, toujours. Hein. Alors là, je sais plus. Je pourrais pas vous le montrer trop. Mais c'est sur le chapeau là. Donc, je sais pas si vous verrez. Allez, focus. Focus, focus. C'était bien, Hocus Pocus. Le film là. Donc voilà, on va y faire quoi elle? Elle va arroser quoi? Oh tiens, on va la mettre là. Elle va arroser le... Hop là, on va la mettre ici. Pas mal. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on va rester dans le Snoopy. Dans le Snoopy. Là, c'est... là, les deux figurines, j'ai dû les payer 40 centimes les deux. Alors, c'est quand même donné, à ce prix-là, c'est donné quand même. Là, celle-là. En fait, c'est une gamme. Je vais vous présenter toute la gamme. C'était tout d'un même vendeur, là. Là, tout ce que je vous prends, c'est des vendeurs séparés. Hein. Donc ça, c'était un monsieur assez sympa. Donc je vais continuer le Snoopy parce que j'ai encore 4 figurines après à vous présenter dans le même, toujours du même monsieur. Donc ça, c'était dans des caisses, hein, Snoopy comme ça. Je pense qu'il devait y être clipsé à un truc, là. Je sais pas si vous voyez... je sais pas trop, là. Non, pas trop. Voilà, ben, c'est avec son petit titi, là, son petit... Donc c'est sympa, ça c'était du vendeur, quand je l'ai trouvé, j'ai dit, oh là, faut que je prenne ça tout de suite. Hein. On va mettre ça là, ah, je sais pas si ça va tenir. J'en sais rien, on verra bien. Bon, après, bah, toujours dans la même figure, celle-là un petit peu, il a perdu, c'est un dalmatien, de Disney. Donc il a perdu un peu sa... Bon, après je l'ai, voilà. La figurine, ça coûtait 10 centimes, j'en ai pris 5, ça m'a fait 50 centimes. Donc c'est de un prix là, hein, c'est du Disney quand même. Le petit dalmatien, hein. Je sais pas si on verra le Disney parce qu'il fait pas le focus. Ma foi, voilà, c'est du Disney. Donc c'est sympa. Hein. Trouver ça. Trouver ça, c'est sympa. Voilà, on va le mettre là. Après, ben là, c'est pour moi. Là, c'est pour mon fils, le dalmatien. Il cherchait du dalmatien. Donc, il aime bien un peu les sangles dalmatiens. Donc, je lui ai fait plaisir. Ouais. Là, c'est Will le Coyote. Donc voilà, quand il part avec la figurine, je sais pas s'il est complet, je sais pas s'il y avait un truc là, je ne connais pas trop cette figurine, je peux pas vous dire. Mais il est prêt pour s'envoler, là. Là, il y a le nuage, là, quand il est avec Bip Bip, là, il essaye d'attraper Bip Bip avec la... Je pense que c'est comme ça, à mon avis, hein. Il est comme ça, puis... Après... Après, il se casse la gueule, il finit en bas, vous connaissez Bip Bip, Coyote, quoi. Donc voilà, c'est à peu près le même genre de figurine que je vous ai présenté, le Titi, là, qui faisait du surf, là, c'est du Warner Bros, quoi. Donc c'est saison 2, 5, je sais pas quoi, Made in China. Ma foi, c'est pas mal, hein. Tiens, on va peut-être le mettre là-haut, pourquoi pas. On va le mettre là. Il est pas mal, là. On voit peut-être pas trop, mais bon. Voilà. Après, pour poursuivre, j'ai trouvé, ben, qui va avec le... Oui, parce qu'en fait, le circuit, là, je vous ai pas présenté, en fait. J'ai oublié de vous présenter avant. Tout le circuit là qui est là, avec les pistes et tout, il y a encore des... Je sais plus derrière encore, je crois qu'il y a encore des embouts pour clipser. Il n'est pas tout complet, mais il... Presque aux trois quarts, quoi. Quasi complet. Je l'ai payé 2 euros, avec toutes les pistes. Je pense que c'est quand même pas... là, c'est une grue, en fait, ça lève la voiture. Bon, je vais pas le montrer, parce que... Après, c'est un peu dur à remettre. En vidéo, c'est pas pratique, mais si vous voulez que je vous fasse un test de ce circuit, bah, je vous le ferai. Voilà, ça s'abaisse, la grue qui s'abaisse, quand ça se lève en fait, quand la grue se lève je crois, si je me trompe pas ou c'est l'inverse, la bagnole, ben, du grappin, elle se casse la binette. Et là il y a des machins, quand la voiture arrive, ça se lève, ça démarre le lanceur, parce qu'il y a un lanceur là, parce qu'il y a deux lanceurs dans ce circuit, plus là, ben, les deux tours là, qui étaient compris dedans, le looping, la rampe, les pistes. Puis il y a encore une là, il y a encore des bouts là, j'ai mis là, sur le côté je vais pas montrer, il y en a encore une ici. Par là, qui est juste là. Qui, on voit pas dans le décor.
Voilà. Bah 2 euros, j'ai pas négocié la dame, franchement. C'est pas la peine de négocier quoi. Donc pour en revenir aux 5 figurines qui aux 2 figurines qui restent du monsieur là. On a du Mickey. Ça c'est pour Mathieu et mon fils. Du coup, il a comment il aime bien les Mickey et puis il en a déjà un que j'avais déjà mis dans mes décors. Voilà. Par contre, il est pas. J'ai coupé un petit peu là parce qu'en fait, il devait être sur quelque chose, sur un truc. C'est ça qu'on voit pas. Il n'y a pas de Disney machin parce qu'en fait, il devait être sur quelque chose. Sûrement sur une strade ou un espèce de podium ou je sais pas quoi. J'ai coupé un peu parce que ça, il y a un petit bout qui dépassait là pour faire propre pour qu'il tienne debout. Là, j'ai dépassé. Donc c'est pas mal. Tu vois, on va le mettre là. Pas mal pour quoi là. On va le mettre là. Mais tiens pas. On va le mettre ici. Voilà. Après, bah, c'est Rox du dessin animé Rox et Rookie. C'est toujours Disney là, on va peut-être pouvoir voir. Donc, franchement, 10 centimes les petits sujets là. Franchement, sympa quoi. Le petit Rox, je sais pas si on peut voir. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal ce petit. On va le mettre à côté. Hop, il va le choper. Le petit Rox. Après on va passer dans les miniatures, les voitures, voilà, j'en ai quelques-unes là. Donc ça c'est pour mon fils. Il y en a 4 pour mon fils. Alors je vais présenter d'un même vendeur hein, déjà. Donc le vendeur en fait il les vendait 1€ les 3. Et c'est du Hot Wheels. Donc déjà c'est là une Batman. Elle est belle hein, franchement. Je la trouve, elle est magnifique. Je vais essayer d'aller faire rapide pour pas vous faire une vidéo qui dure 20 minutes, ça serait cool. Donc voilà, c'est du... On va se dépêcher un peu. C'est du... Focus. Pour ceux que ça intéresse. Hein. Je sais pas s'ils le verront bien parce qu'après on est... Voilà, une petite Batman. Plutôt sympa. Voilà. Qu'on va mettre ici. Voilà. Hein. Après, une autre. Alors celle-là, elle date de... Bah vous allez voir, alors c'est bizarre, c'est un peu chelou celle-là. Je sais pas si c'est les châssis plastiques à cette époque-ci. En dessous là, les. Alors celle-là elle est chouette. Franchement, Mathieu, mon fils va être content parce qu'il aime bien ce genre de voiture un peu comme ça, un peu classique là, comme ça. Un peu. Comment ça s'appelle là, la mode. Je sais plus quand. Où ils refont le. Ils redécoupent le bas, ils font un petit peu style. Je sais plus le style. Un peu autre-road, je sais pas si c'est vraiment autre-road en fait, c'est un peu un autre style. D'accord. Je vais essayer de mettre un peu de lumière qu'on voit mieux quand même. Mais... Je sais pas si on verra mieux. Peut-être un peu mieux là. Voilà. C'est de Twills. Elle est de 89. Alors avec le focus, je sais pas si vous le verrez. Voilà, je pense que vous voyez. 89, pas mal quoi. Pas mal du tout. Alors je vais la mettre celle-là. Je sais pas, on va la mettre là. Voilà. Une autre, c'est la dernière, du coup des trois. Alors ça j'ai trouvé superbe, franchement. Une Ford 150, je sais plus. Non, c'est pas. C'est quoi? Non, c'est Ford Coupé. N'importe quoi. Une Ford Coupé de 1949, un truc comme ça dans ces eaux-là, je crois. Vous avez prêté un gros modèle, je crois, de ça. Un modèle réduit. Mais pas de la même couleur. Et puis. Celle-là, elle doit dater des années 2001, je crois, 2001, je sais plus quelle année. Elle est belle, franchement, elle est super belle. J'aime bien ces petits bâtons derrière, là. Alors, on va faire vite, de quelle année c'est ça? 2001, oui, je vous avais dit 2001. 2001, 2001, je ne savais plus. Parce que après, je me souviens plus trop des dates. Hein. Après, je ne sais pas si vous pouvez voir. Tête de biais, comme ça, on peut peut-être voir. Voilà, j'espère que vous avez vu. Voilà, on va mettre ça comme ça, c'est pas mal, je trouve. Allez, après, bah ça, c'est une pour moi. Alors ça, je suis content d'avoir fait celle-là, parce que... Voilà, une petite Batman. Je pense que j'ai pas même vous dire... C'est les vieux films, là, où j'aime bien un petit délire, là, dans le film. Il se fait attaquer par Arkham, le machin, il est en carton pâte, là. cette séquence elle m'a fait toujours à chaque fois je suis plié de rire quand je vois cette séquence parce que je l'ai sur un disque dur le film alors du coup je sais c'est pas bien mais je faisais ça avant.
Voilà, mais je sais pas, j'ai l'habitude, c'est en fait c'est du voilà, on va faire comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Alors ça c'est du corgi, ou je sais pas comment ça se dit. Je sais pas si on verra bien par contre. Voilà, je pense que vous voyez un peu Batmobile, hein, Gorgi des années 76. C'est un peu comme la voiture des Gévons que vous avez présenté, mais là j'avais pas trouvé s'il y a un gadget ou je sais pas. Après le Batman il est un peu chelou là-dedans, on voit pas trop ses grandes oreilles là. C'est un peu chelou. Elle est un peu trop longue, un peu plus longue par rapport à une version. Là, ils ont mis une attache caravane. Peut-être pour la. Parce qu'il y a peut-être un bateau, le bateau de Batman qui s'accrochait peut-être derrière. Allez savoir. Je sais qu'il a, il a un bateau qui va dans le vieux là. Un petit hors-bord là. Donc c'est pas mal. À voir, je sais pas. Je n'en sais rien. Après, alors là, on a touché vers la fin. Je vais vous présenter une petite figurine voilà, du génie. Alors, ce qu'elle vient avec celle-là. En plus, elle est des années 92. Alors, je vais vous montrer. Hein. On va faire vite. Je suis tellement pas patient de vous montrer ça que j'oublie plein de choses. On a un peu en contre-joue. On va rien voir avec le focus. Alors, le focus, il se fait quand on a un peu en contre-joue. Bon, ma foi. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu. Le petit génie. Tu peux faire tes trois vœux. T'as trois vœux. Fais-les tout de suite. Quel est ton vœu? Mon vœu, c'est que tu te taises. Non, je rigole. Et que, bah voilà. Il n'y en a qu'à apprécier mes vidéos. Et puis, je sais pas, je troisième vœu, j'en sais rien. Je te libère, allez, tiens. Voilà. Donc voilà. Et la particularité de ce. C'est bien parce qu'en fait, c'est tout mou en fait. Les bras sont mous, le support est dur, on sait, parce que en fait, je dis toujours en fait, hein. Ah, je vais essayer d'y arriver, ça va pas être facile. C'est qu'en fait, il a sa tête là, mais il a une autre tête qui est cachée. On peut le changer. Et voilà. Ah. Par contre, c'est dur à mettre, parce que c'est vieux, et ça, pas trop, ça n'a plus trop servi. Voilà. C'est pas mal. Voilà, sa nouvelle tête. Il a deux expressions assez sympas, je trouve. Franchement, j'aime bien. Ce petit génie, là, franchement, sympa, quoi. On va le mettre là. C'est du Disney, alors on va le mettre là. Faites tes trois vœux. J'espère que ça vous aura fait plaisir, cette petite figurine. Enfin, moi, ça me fait plaisir, voilà, parce que c'est pour moi, j'adorais le dessin animé Aladdin. C'est vraiment un dessin animé que j'adorais. Donc, là, on va passer par le... Alors, ça dure... la vidéo va encore durer une plombe, quoi. Là, c'est une... Une petite auto Transformers, et en fait ça faisait partie, c'est des vieux Transformers des années 85 je crois ça, et en fait avant celle-là elle doit s'adapter à, puis on peut créer un grand robot avec toutes les, on a plein de véhicules Transformers comme ça, et à la fin si vous avez récolté tous les véhicules, j'ai vu ça sur une, je me suis renseigné un peu, et en fait on peut créer un grand robot, son grand robot Transformers avec tous les bouts comme ça. Et en même temps, ça fait des parties comme ça, et ça fait... là, c'est un robot. On peut changer ce véhicule en robot. Là, c'est une espèce de Ferrari. Et normalement, si je ne me suis pas trompé... Voilà, comme ça. Là, on démonte comme ça. Voilà, là, il y a ses bras. Là, il y a son espèce de je sais pas quoi. Et voilà, ça fait un robot Transformers. J'ai été atomisé. Voilà, derrière. Donc plutôt sympa, hein, franchement. Le petit robot Transformers, il faisait du... Bon, ouais, peut-être qu'il trouvait ça ringard, mais c'est quand même une tête, ça. Ça date des années 85, quand même. C'est quand même... Transformers, c'est pas... Voilà, c'est voilà, les premiers Transformers. Je sais pas si c'est les tout premiers, j'en sais rien. Hein. Mais c'est un des quand même des anciens, quoi. Ça n'a pas une gueule, mais voilà, comme une fois fini, voilà. Bon, je vais essayer... Je vais remettre un Transformers. Pourquoi pas. Voilà. Allez hop, pour la vidéo on va le mettre en Transformers, on va le foutre là. Voilà, petite vidéo. Hop là. Ah, je pense que vous voyez. On va le mettre un peu plus fort là. Voilà. Après, alors là à la fin, pour le finir la vidéo, qui dure une plombe, on a deux figurines. Alors je vous avais présenté en fait deux figurines, une figurine du film Small Soldiers. Et ben j'en ai trouvé deux, les plus petites.
Du coup, j'ai donné ma figurine que j'avais changée à mon fils. Je lui ai redonné, comme il aimait bien. Donc, du coup, ouais. En lui laissant ce que je lui avais donné aussi, hein, parce que ça va de soi, hein, je ne comprends pas ce que j'ai donné. Hein. Mais moi, c'est. Voilà, je lui ai donné parce que j'en voulais la grosse figurine. Vu que j'ai déjà les deux petites, bon, je vais vous montrer. Donc là, on a. Ben voilà, la figurine en petite. Donc là, c'est. Archer. Ils disent comme ça, c'est Archer. Hein. Bon, il n'y a pas son arc. Moi, il y a un... Mais je vais essayer de faire un petit custom, voilà, lui faire son arc. Pourquoi pas, lui faire un petit arc avec des flèches. Ça pourrait être intéressant, puis peut-être vous le montrer par la suite. Voilà. Quand j'ai des figurines que je complète comme ça, que je fais des petits accessoires, ben, qui vont dessus, avec de la récup, bien entendu, et ben, je vous le montrerai, je ferai une petite vidéo. Voilà. J'ai deux, trois, quelques figurines à compléter. Je ferai une vidéo dédiée, voilà. Qui durera encore une plombe, comme d'habitude. Vous connaissez. Puis voilà. Donc c'est sympa, hein. Ce petit S, c'est du Mirage Studio. Non, DreamWorks. Ah, je dis n'importe comment. C'est du Hasbro DreamWorks de 1998. Oui, bah c'est comme celle que je vous avais présentée, quoi. Par contre, on va pas faire le focus. Focus. Je vais arrêter de coller. Allez, fais le focus. Ah, voilà. Je pense que oui, un petit peu. Voilà. Cette petite figurine, c'est plutôt sympa. On va essayer de faire un petit duel. Il y a une nuée de boules. Voilà, comme ça. Après, et là, pour finir, bah, celui que je cherchais, hein, le sergent, là. Sergent ou commandant, je sais plus. Donc voilà, plutôt sympa. Il avait un truc, là, mais je sais pas ce qu'il avait, là, donc. Vous direz, je vais chercher ce qu'il avait. Voir l'élément, je chercherai sur internet, je verrai. Mais franchement, je suis vraiment content. De posséder cette figurine là, je suis vraiment content. Donc voilà, pareil, hein, je vais pas vous montrer, c'est de la même gamme. Hein, c'est du même. Voilà. Donc plutôt sympa. On va les mettre. On va les faire s'affronter. Ah. Alors viens ici, fuyard. Avant je te botte les fesses. Et après ils font. J'ai tous, pardonnez-moi, alors les faire s'affronter. Donc bah, j'espère que cette petite, cette grande vidéo, comme d'habitude, hein, vous fera plaisir. Ben voilà. Et puis que vous aussi, vous avez été chiné, vous avez été faire des vide-greniers. Vous avez trouvé votre bonheur, voilà, j'espère. Et du coup, ben voilà, pour finir, ben, j'ai fait une vidéo annonce FAQ et puis... annonce ce qui allait venir sur la chaîne. Du coup, bah, j'avais cette vide-grenier qui est tombée, donc j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant. Et du coup, après, bah, je vous poursuivrai mes vidéos que je vous ai parlé dans cette vidéo. Voilà. Une vidéo dans cette vidéo. Voilà. Je pense que vous comprenez. Et puis, merci de me laisser des commentaires. Il y en a déjà qui ont laissé des commentaires. Je leur en remercie déjà avec des questions. Donc, je remercie pour dire. Voilà, j'ai vos questions, j'ai noté, c'est bon. Je sais ce que... Voilà, j'ai préparé mes petites réponses. Voilà, je prépare mes petites réponses. Et je vais attendre que tout le monde puisse mettre sa petite question. Et après, bah, j'attendrai courant la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, bah, on lance cette petite FAQ. Voilà. J'espère que vous apprécierez cette grande vidéo. Et puis, bah, je vous dis bye bye à tous. La passion. Et vive les vide-greniers, vive le Chine, la Chine, et puis salut. Bye bye à tous.